Hello, hello, c'est Laz. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera complètement différente des vidéos que je fais souvent sur ma chaîne. Il s'agit tout simplement d'un haul. Donc, j'ai acheté deux ou trois trucs sur Amazon. Je me suis dit que ça sera sympa pour moi de vous les présenter. Et avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas de partager la vidéo, de liker, de me laisser des commentaires et surtout d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de mes vidéos. Parce que vous voyez, je fais toujours les bonnes vidéos. Donc, voici ce que j'ai pris sur Amazon. Voilà, le carton ci et tout et tout. Et donc, le premier article que j'ai pris sur Amazon, c'est ce livre. Voilà. Le titre du livre, c'est La puissance de l'échec et si l'on avait tout faux. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je ne sais pas comment vous montrer ça. De toute façon, je vais vous mettre ça quelque part ici en bas sur l'écran pour que vous puissiez lire et tout et tout. C'est un livre qui est vraiment intéressant. La couverture en dit plus sur le livre. C'est même pour ça que j'ai choisi ce livre. C'est un livre de 119 pages environ. Et c'est disponible pas seulement sur Amazon, c'est aussi disponible à la FNAC et aussi sur certains sites de vente de bouquins en ligne. De toute façon, je vous mettrai toutes les informations en bas d'informations pour ceux qui aimeraient se procurer le livre. Je rappelle, je n'ai pas encore lu le livre. Quand je l'aurai lu, je vous donnerai mon avis sur lastdaily.com. Pour ceux qui me suivent sur le blog, vous allez recevoir la newsletter. Et d'ailleurs, j'avais une question à vous poser. Quelle est votre perception par rapport à l'échec? Comment est-ce que vous définissez l'échec? Quelles sont ses vertus? Et si finalement, en fait, l'échec était la clé du succès? J'attends vos réponses en commentaire et là, on pourrait en débattre. Donc, quand je vais vous lire, vous aurez mon avis là-dessus sur mon blog. Le second article que j'ai pris, en fait, ensuite sur Amazon, j'ai pris ceci. C'est le Red One. C'est un produit que j'ai vu sur la chaîne de Leslie Lawson et de Oneshai. En fait, ils utilisaient ce produit-ci. Voilà ça. Voilà. Ils utilisaient ce produit-ci. Leslie, par exemple, elle avait utilisé le produit pour se tresser afin que ses tresses puissent durer. En fait, elle mettait ça sur la mèche de ses cheveux et un peu se tresser pour que la coiffure puisse tenir longtemps. Et Oneshai, elle, par exemple, elle avait utilisé ce produit pour se plaquer les cheveux. Je ne l'ai pas encore utilisé. Si vous avez déjà utilisé, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Bref, quand tu regardes la composition, c'est tout simplement, c'est pas naturel en fait. C'est bourré quand même de produits. La composition est vraiment chimique quoi. Mais si vous avez déjà eu à utiliser le produit, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. C'est pour ça parce que vous voulez me tresser, parce que je voulais aussi tester. Ou bien si vous avez d'autres alternatives pour pouvoir entretenir les tresses pour que ça puisse durer longtemps, n'hésitez pas à me le dire aussi parce que moi les tresses ne durent pas sur ma tête, c'est maxi 2-3 semaines depuis, je dois les enlever quoi parce que la tête sera déjà vieille. Ensuite sur Amazon j'ai pris des mèches. Ce sont des mèches synthétiques. J'ai pris deux paquets comme ça là, j'ai déjà à ouvrir les autres paquets. La mèche elle est comme ça. Je vous mettrai les prix des articles en commentaire, en bas d'informations autant pour moi. La mèche elle est comme ça, c'est sur deux tons, mais bon, le doigt ça va quand même, mais c'est tellement synthétique, on sent comment c'est le plastique en fait. Moi généralement c'est la première fois que j'achète les mèches en Europe. Généralement mes mèches viennent du Cameroun et ce que je fais quand j'utilise les mèches synthétiques, c'est que je les traite avant. Comment est-ce que je les traite en fait? Je prends les mèches comme ça, je mets dans de l'eau tiède, j'ajoute du vinaigre à l'intérieur et puis je laisse reposer quelques minutes. Ensuite je rince, j'ajoute après dans de l'après-shampoing, je laisse encore quelques minutes et puis je rince, je sèche. Maintenant avant de mettre ça avec, j'ajoute de l'huile et puis bon voilà quoi. De toute façon je vous ferai une vidéo par rapport à cela. Et la mèche aussi c'est venu avec
des accessoires en fait pour pouvoir embellir les tresses. Je sais pas si vous arrivez à voir, pour pouvoir embellir les tresses. Et voilà ça. J'allais vous montrer. Voilà. Voilà, c'est pour mettre sur les tresses et les enjoliver. On va dire ça comme ça. Donc, l'autre article que j'ai pris sur Amazon, ce sont des... ce sont des brassières en fait. Ça vient en lot de 3. Ça vient en lot de 3 et je ne sais plus comment ça m'a coûté. Ça m'a coûté un truc comme 25 ou 28 euros comme ça. De toute façon, vous mettez les prix en bas d'informations. Voilà quoi. Et puis, ensuite, j'ai pris... le dernier article que j'ai pris, ce pack d'huile. Voilà. Actuellement, j'ai une peau un peu sensible et très sèche. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ma peau est très sèche actuellement. C'est une huile qui est faite non seulement pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Je vous montre ça bien. Voilà. Donc, c'est une huile qui est faite non seulement pour les enfants et c'est aussi pour les adultes. Et c'est pour des peaux sèches en fait. Quand ta peau est extrêmement sèche et que ta peau a les démangeaisons et tout, là tu peux utiliser cette huile, ça va un peu t'apaiser, c'est très nourrissant. Et ça en fait, c'est pour le corps. Pour rendre le corps, ceci, c'est pour le visage. Si tu as une peau sensible et très bien, extrêmement sèche avec de l'eczéma, tu peux utiliser cette huile, c'est vraiment conseillé. Et puis j'ai pris ceci. Ceci c'est quoi en fait? Oui, ceci c'est le gel de douche pour se nettoyer. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai pris à Amazon et que je voulais vous présenter. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Quand je vais utiliser les produits, je viendrai vous faire un retour. Et donc c'est ici que la vidéo se termine. J'espère que vous aura plu et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Tchuss!